Bonjour à toutes et à tous, ici N3 sur FIR. Bon, je reprends exactement là où j'en étais, où je m'étais arrêté. Donc après avoir battu cette chose-là, qui putain de quoi, qu'est-ce que c'était? Là, je sens qu'il commence vraiment à sortir l'artillerie lourde. Voilà. Allez, c'est reparti pour l'horreur. Ah. Donc juste pour information, pour moi, je tourne à la suite. Je tourne à la suite de l'ancien Mère, on épisode. dirait que ces enfoirés sont en train de bouger. Le satellite signale une grande activité. Sans blague. Ouais, ça c'est pas de refus. Je sens qu'il va falloir que je sois encore plus... Ah, toi je t'ai vu. Alors. Voilà. Ah ouais. De la viande en plus, ça sera pas de refus ça. Hein. Ah ouais, 125 de vie. Je que ça va que de 55, mais bon. Donc si ça allait être du 110, on serait déjà... Donc là on avait bouffé 5 au total. On serait déjà à 50. 50 points de vie en plus. Je pense que ça serait un peu cheaté. Alors, un peu de lumière, pour que les youtubeurs puissent voir ce que je fais. Un truc là-bas. De monter ailleurs ou de passer ailleurs en tout cas. Non, il n'y a pas moyen. D'accord. Donc en fait ça va aller un petit peu plus loin là. Sur le parcours, il va sûrement falloir que je monte là-haut. Pour une raison X ou Y. Allez. Cette arme-là, elle est peut-être pas très puissante, mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de munitions. C'est pour ça que j'ai préféré la garder comparée à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non mais ils sont sérieux, ils veulent vraiment me faire passer là-dedans eux. On est de la dernière pluie hein. Ça va être obligé d'appuyer sur F pour pouvoir monter à ça. Non merci. Alors là je me demande bien qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'être la suite, mais on va revenir un peu en arrière, histoire de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous montrer. Ouais, j'ai bien fait de prendre le fusil à pompe hein, derrière toi. Y a rien d'autre ici. Putain, c'est vrai qu'il faut qu'il soit. Oh, ce système d'appuyer sur F pour pouvoir monter à une échelle, je me sens un peu con. Critiquer non plus le jeu. Ok.
Alors, c'est une petite cinématique, ça je le sens. Où est Alma? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Certains secrets sont cachés plus profondément que les autres, mais je sais où fouiller. Non, attendez, vous vous êtes trompé de gars! L'affaire, Monsieur Moody, finit de pavasser. Pitié, non! Pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce que tu lui as fait au geste? Alors il commence à y avoir plusieurs chemins possibles quand même, hein. Je commence à plus savoir trop où donner de la tête. Et il y a toujours cette espèce de nuage là. Ouais, il y a un moyen de passer par. C'est valide. Alors j'aimerais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a par là. Ah bah voilà. Et qu'est-ce que je me disais? Nice. Pas de raison X ou Y, j'avais passé par là. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Une trousse de soins et un fusil à pompe. Ok, c'est valide. J'ai torché ce passage-là, donc il ne reste pas non plus qu'à remonter là, voilà. Ok, c'est valide. Absolument. Cachez pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis... Depuis que j'ai vu le gros machin, là, je ne suis pas à l'aise du tout. Voilà, donc là, ça va être la famille. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y avait... Alors, les forces réplica semblent abandonner l'usine de traitement des eaux de South River. Paxson Fettel n'a pas été appréhendé. Alors, donc, le SFO hein, a pénétré dans le quartier général d'Armacam. La résistance initiale est moindre que prévu. L'objectif principal reste l'élimination de Paxson Fettel. Ok. C'est sympa, quand on tourne trop vite la molette, ça bouge trop vite. Non, il n'y a rien ici. Ouais, ok. C'est vraiment bien noir quand même. Méritez de mourir. Putain de merde. Méritez tous de mourir. Punaise. Là, quand ils apparaissent comme ça, je déteste. Un peu de lumière, ça fait du bien quand même. Pas trop, mais... L'explosion destructrice qui a eu lieu dans la soirée au port ne serait pas un accident. Nous
nous avons appris que des traces évidentes d'affrontements armés ont été retrouvées par les enquêteurs. On a découvert des corps truffés d'impact. Mais pour l'instant, aucun commentaire n'a été fait sur ce qui s'est passé ici et pourquoi. C'est tout? Ok, donc... Ça sent le bonus en dessous, je vais aller voir. Même si je sens que je vais avoir une petite frayeur. Non, non, c'est bon. Le bonus, il est pas du bon côté. C'est le petit souci. Est-ce qu'il y a moyen de... Oh, c'est sympa cet effet. J'aime beaucoup. Oh, putain, c'est vrai. Bon. Allez, on continue d'avancer. Moi j'ai vu le bonus, je le veux. Bonus santé là, d'arriver à 130. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Vous avez un nouveau message. Premier message de... Ian Ives. Salut Bill, c'est Ian Ives. Je viens de recevoir ton email. J'aimerais pouvoir te donner plus d'explications sur cette affaire, mais ce sont des informations strictement confidentielles. Je ne sais même pas de quoi il est question, bon sang. Pour le moment, concentre-toi juste sur les polluants spécifiquement indiqués dans ton brief. Je pourrais peut-être t'en apprendre plus quand l'étude sera terminée. Fin des messages. Bon, c'est tout. Ok, ok. Ah, c'était ça le bruit que j'entendais. Une autre caméra. Bon, ok, donc le bienus, il faudra le chercher un peu plus tard. On avance. Ok. Le bonus il doit être en bas. YOLO. Il est là-bas. Hop, ça remonte. Ah. Ça fait plaisir là. Ça, ça fait plaisir. Ok. En fait, faut vraiment être maso pour accepter ce genre de mission. Être maso va être complètement si... Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau. Mais encore... Finalement, je préfère garder le fusil à pompe. Ouais... Respire! Allez, faites-la pousser! Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, faites-la pousser. C'est on, ça doit être une femme enceinte. Et donc, ça serait un rapport avec une femme enceinte. Je me demande bien où est le rapport quand même. Oops. Ah d'accord, c'est moi qui fais le bruit. Où est-elle? Alma, si Fettel la trouve, Origine. Et de quoi il parle? Qui est Alma? Et c'est quoi Origine? Ok, continue à avancer. Fettel ne doit pas être loin. Yonk. Il y a bien un gars là. Ah le voilà. J'avais pas rêvé. J'avais pas rêvé. Costaud quand même hein, les gars. C'est mal les peuples, je crois, hein, quand même. Ouais, oups. Je pense avoir assez de munitions pour commencer à en gâcher. Ah, le dealer. Oups. Moi je cherche là où j'étais au début pour pouvoir essayer de récupérer toutes les armes qui sont tombées. Oh putain, tu me dis, t'es en train de me dire qu'il faut que je change d'arme là, c'est ça? Donc c'est avec celle-ci maintenant, t'auras le plus de munitions, c'est ça? Ok. Ok, je vais t'écouter. Ça marche. Je vais voir si je peux récupérer les armes des autres là-bas. Voilà. Je suis sûr que je vais y arriver à un endroit d'autre, de toute façon. Ouais, petite trousse de soins, ça fait toujours du bien. Excusez-moi, là, je suis vachement concentré. Que le jeu veut ma mort, là, ça y est. Au début c'était vraiment un échauffement, mais là le jeu veut vraiment ma mort.
Voilà. Je dis oui pour ça. Oh, Dieu. J'ai pas compris là. Là, j'ai pas compris. Ouais, donc celle-ci, ça va être une arme assez de malade. Enfin, moi, en tout cas, je la vois comme ça, comme étant une arme de malade. Et donc, c'est pour ça qu'il y a... Putain, on a l'impression qu'elle tire des clous, quoi. C'est ça, c'est des clous qu'elle sort. Cadavre qui disparaît. Moi je t'ai trouvé en tout cas. Moi je veux ton arbre. Putain, des vrais clous quoi. On plante des gens avec des clous. Mais t'as en fait qu'il n'y a pas beaucoup de balles et que... Elle tire relativement lentement. Pistolet à clous quoi. Alors, hop, c'est gratuit. On prend. Ah. Voilà, de l'action. Enfin. Bon, hop. Ok. Ok, donc on va continuer l'aventure par là. Voilà, chute toi aussi. Ok. Putain, il me laisse le choix, quoi. Entre garder cette arme-là avec laquelle je commençais un peu à avoir plus de munitions. Celle-ci, c'est un véritable pistolet à clous, je pense que je vais la garder, surtout pour les gros méchants. Et celle-ci, quand même, qui reste pas trop mal, même de près, même de loin. Elle reste quand même assez efficace, derrière. Ok, on continue par là. Hop, c'est un peu de lumière, ça fait toujours plaisir. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on resserre? Vas-y, continue à causer. Ah, d'accord, ok. Alors, Paxton, Fettel et les forces Replica continuent d'organiser leur retraite de l'usine de traitement des eaux de South River. Après avoir localisé une autre des victimes de Fettel, l'agent du FIR a neutralisé l'arrière-garde des forces de Replica et continue de poursuivre les troupes qui battent en retraite. L'objectif principal est toujours d'éliminer Paxton, Fettel. Ouais, et c'est Alma, c'est qui? Contact avec
débarrasse de lui, le lien télépathique avec ses hommes sera rompu. S'ils ne reçoivent plus de directives, ils cesseront toute activité. Ça serait pas du luxe. Bon, vous pouvez garder un hélico de côté. On dirait un repli général. J'ai comme l'impression que Fettel est en route pour Armacam. Vous pourrez peut-être s'entraider. Ok. Alors attendez, donc là en dessous ils disent qu'il y a une échelle. À moins que c'était pour ceux qui étaient tombés directement dedans. Moi je me dis il y a peut-être un truc... Non c'est bon, il n'y a pas de bonus. Alors, un peu plus de lumière ça fait plaisir quand même, là, parce que là on se retrouvait un peu dans le noir limite. Coucou le cadavre dans l'eau. Ouais. Ah ok. C'est pas du luxe ça non plus. Pof. Explosion nucléaire. Bon allez les gens. C'est déjà la fin. Et ouais. Là cette fois-ci j'ai fait un peu attention au temps. Donc voilà. Donc je vous laisse ici. Et puis on continuera le reste de l'action plus tard. Hein. Surtout n'oubliez pas un petit pouce vert, un j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo. Hein, et puis vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. Allez. À la prochaine les gens. Ciao ciao. Plus.